Salut. Oh, yes, sir. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Ne faites pas, enfin c'est quoi ces mèches là? Moi je coiffe ma frange comme si j'avais une petite frange trop chou, mais en fait elle est plus grande que mon visage. Bref, comment vous allez? On s'est pas vu la semaine dernière, c'était triste. J'aime pas ne pas publier. Moi ça va bien et aujourd'hui il fait beau. En ce moment il fait quand même assez beau à Paris, il faut le souligner. C'est important de dire quand ça va pas, mais c'est important de dire quand ça va, et là ça va. Et aujourd'hui il fait beau, pour l'occasion j'ai mis beaucoup de blush, aucun rapport. Mes ongles ne vont pas mieux, donc voilà, c'est dit, une bonne fois pour toutes. Si vous me suivez, ou même si vous me suivez pas, enchantée, je m'appelle Laure, j'ai 24 ans, 23 ans, mais bientôt 24 ans, le 15 mars. Et j'adore le soleil et j'adore aussi marcher. Alors marcher au soleil, c'est génial. Et je le fais déjà beaucoup sur ma chaîne. Donc je m'étais dit, pourquoi ne pas marcher au coucher de soleil, mais également marcher la nuit. Il y a une vraie vibe. Il y a aussi un peu d'insécurité, on va pas se mentir. Donc j'espère que tout va bien se passer. Je trouve qu'il y a des couchers de soleil trop beaux à Paris sur les quais. Donc je vais aller voir ça en espérant que ça se couvre pas. Et puis je sais pas, voilà, la trame de ma vidéo, j'en ai pas. Juste on va passer un bon moment et on va se balader dans Paris la nuit. J'aurais pu proposer à des amis, mais là c'est un peu en mode petit me time. Et voilà quoi. Là comme Sookie va rester un peu toute seule, je vais lui donner du Kiri. Et en gros c'est un Licky Mat, du coup elle lèche ça. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça la détend, ça l'occupe, c'est bon. Bisous mon amour. Elle veut que le Kiri, elle s'en fout de moi. Moi je t'aime. Bisous bisous bisous. A tout à l'heure Sookie. Je reviens. J'suis tombée amoureuse d'un bad boy. Me posez pas de questions. Que ça vous plaise ou non, on s'aime. Le temps d'une chanson. J'suis tombée amoureuse d'un bad boy. Me posez pas de questions. Au fond de lui, je sais qu'il m'aime. Balader le long des quais au coucher de soleil, mais je suis évidemment pas la seule qui a eu cette brillante idée. Donc il y a beaucoup de monde, mais je pense que ça va se calmer après. Du coup c'est un peu galère de filmer quoi. Ma tenue. Allez-y, pardon. Ah bon, on voit rien. Bon bref, toute ma tenue elle vient de chez Maje, voilà. Pour info, j'ai pas pris Sookie, je sais qu'on va me demander, mais parce qu'en fait c'est un peu galère parfois de filmer avec elle. Elle est un peu folle. J'ai un peu envie de parler en anglais, comme ça les gens ils pensent que je suis une touriste de chez Touriste. Et c'est moins gênant de me filmer parce que là vous voyez pas, mais j'ai vraiment la caméra au bout du bras quoi. Là je marche en direction de la Tour Eiffel. Je n'ai que deux endroits à Paris, c'est Montmartre et la Tour Eiffel. Les gars, j'ai oublié mes écouteurs. Dommage. En vrai c'est pas grave, ça va permettre de me ressourcer sur moi-même. Pourquoi je tiens la caméra comme ça? Oh, quelle belle lumière. J'adore le soleil. Je sais pas si vous m'entendez, il y a tellement de voitures. J'ai envie de demander à quelqu'un de me prendre en photo parce que j'ai une tenue iconique. Ça va trop bien rendre en photo, mais j'ose pas. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me prendre en photo s'il vous plaît? Sorry, do you mind taking a picture of me please? Je vous refais un plan de ma tenue parce qu'on voyait rien. Et je l'aime beaucoup. J'ai peur que ma caméra tombe. C'est un moment gênant car c'est le feu rouge. C'est trop beau. Je vous dis pas, je suis en train de faire de la marche rapide. Parce que le soleil il part trop vite. Reste. Oh les gars, j'ai une très mauvaise nouvelle. Le pollen est de retour. Oh non. Pour rappel, ma bio Instagram c'est allergique au pollen. Si c'est pas assez clair. Ah. Ah. En tout cas c'est agréable hein, avec toutes ces voitures.
Par terre, vraiment l'endroit où je suis assise, c'est à peu près sûr qu'il y a des milliers de rats la nuit. Je suis face à la tour Eiffel et j'attends qu'elle s'allume. Et je crois qu'elle s'allume. Bah, elle s'allume là. Regardez. Voilà. Là, elle est en train de s'allumer tranquille ou milou. J'adore ces moments où je crois que je vais kiffer le me time et le fait d'être seule et où je me fais chier, chier, chier. On dirait qu'il fait jour, mais c'est. Regardez, la tour Eiffel, elle est allumée, c'est la nuit. J'ai pas compris. Et oui, je fais partie de ces meufs qui gardent leurs lunettes de soleil. Pour moi, c'est pas des lunettes de soleil, c'est juste un serre-tête. Voilà. Adossé contre une barrière. La carte. Oui. Ah génial. Je prends une crêpe au Nutella s'il vous plaît. Merci. Merci, au revoir. Bon, je viens de prendre une crêpe, ça sera mon repas de ce soir. À la base, je voulais manger un tacos parce que je trouvais ça drôle de manger un tacos. Pas très drôle en fait, mais l'image de moi mangeant un tacos en regardant la tour Eiffel briller me faisait rire. Mais j'ai pas envie d'un tacos, par contre j'ai bien envie d'une crêpe. La dame qui me l'a servi, je pense qu'elle me détestait déjà, elle l'a fait avec sa clope dans la main. Écoutez madame, si je voulais manger une crêpe à la nicotine, je vous l'aurais dit. Oh, si je tâche mon manteau blanc. Je me suis assise par terre du coup. La rencontre de cette dame m'a fait penser à un truc dont je voulais vous parler. Putain, elle a aucune race ma crêpe, non? Oh, je suis trop contente. Moi j'ai remarqué que dans la vie, je sais pas si c'est parce que je suis une fille ou si c'est parce que je suis une victime ou si c'est parce que je suis poisson ou si c'est une habitude ou si c'est un mélange de tout ça, mais je passe mon temps à m'excuser dans la vie. Genre je m'excuse de mon apparence quand je me suis pas préparée. Dans la rue, depuis que j'ai Soki, la moto. Ah, il a jeté sa clope par terre. Oh le con. Donc je disais dans la rue depuis que j'ai Soki, je passe mon temps à m'excuser alors que des fois je suis pas désolée. Genre parfois elle va s'arrêter, elle va sentir et il y a quelqu'un derrière qui va passer et qui va faire genre. Genre les gens ils parlent mal et moi je suis là désolée. Et après je suis toujours en mode marmonne dans ma barbe comme une victime. Je dis genre non, je suis pas désolée. Si je demande un service à quelqu'un, je vais dire ouais, désolé, hein, vraiment désolé, merci beaucoup, merci. Je sais pas, j'ai tout l'air de m'excuser, de flanc. Donc je me suis dit que je vais essayer d'arrêter. Il est 19h30 et je mange une crêpe au Nut. Je le regrette pas du tout, une crêpe à la nicotine. Oh my god. Il y a une demande en mariage en préparation. Non, non, non. Je suis obligée d'attendre. Oh my god. Non, mais je peux pas vous croire, les gars. Désolée, je suis moche là, mais regardez. Marry me, ils sont en train de mettre les petites. Ah, mais je comprends pas. Il y a plus. Ah, mais c'est horrible en fait. Genre là, il y en a un. Mais là, il y en a déjà un qui a eu lieu. C'est bizarre, non? Franchement, c'était très beau, mais là, je vais marcher encore une heure dans la nuit pour vraiment voir l'ambiance. Je tâte un peu le terrain. Ça me tue parce que je pense qu'il y a des gens qui ont cliqué sur cette vidéo, vu le titre, en se disant que j'allais montrer un peu une vraie ambiance à Paris, genre des boîtes de nuit et tout. Vous avez vu une meuf en train de manger une crêpe au Nutella devant la tour Eiffel. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'aime bien l'ambiance, mais déjà, c'est bruyant en fait le soir. Il y a des voitures partout, des gens qui klaxonnent partout. Je préfère grave le lever. Allez, on s'entend pas? Je préfère de fou le lever. Ouh, c'est très beau. Je préfère le lever de soleil. C'est quoi ça? Oh, c'est le Shangri-La. Non mais attendez. Non mais quoi? Je suis que dans des grandes rues. Y a pas de charme. Enfin si, y a du charme. C'est très beau, mais je sais pas. Excusez-moi. Ah non mais arrêtez, c'est pour me tuer. C'est trop drôle. Regardez, les FAP Paris. Donc l'école que j'ai fait à Lyon. Elle est à côté de Sandro. C'est pour moi. Bon, je prends un vélo parce que franchement, j'ai froid. Je suis dehors depuis longtemps. J'ai les doigts. Ah, il est trop haut. Je vais faire du vélo sur les Champs-Élysées. Première fois de ma vie. Mais putain, il y a du babybel, vas-y, les gens ils t'écoutent. J'ai trop froid. Franchement, le vélo l'hiver, mais. Waouh, il va vite lui, ça va pas la tête. Ah, oh, j'existe, hein. Oh non, les pavés. Déjà, je sais pas très bien conduire une voiture, mais un vélo, je crois que c'est pire. Ouh, froid. Ah, si j'avais une écharpe, je serais parfait là. Ok, c'est parti. J'arrive tout seul ou j'arrive en équipe. Tu connais quoi?
tu connais qui? Hé, hey, à quoi ça sert d'aller vite? Il y a des défilés. Ah, mais c'est la fashion week! Wow, wow, wow. Ah, il est pas mal ce plan. Par contre, faut juste pas que je doive freiner parce que je pourrais pas. I cannot freine. Oh merde, on klaxonne. Pardon! Je me fais chier. Il est temps de couper la caméra parce que j'ai vraiment rien d'intéressant à vous dire. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai tellement froid. Allez, mes mains. Là, je... Ouh, sans les mains. Je crois que j'ai fait le tour de ma solitude, là. J'arrive pas à me réchauffer, j'ai même pas enlevé ma veste, j'ai froid. En tout cas, c'était trop cool, j'aurais juste dû aller au coucher de soleil plus tôt parce que j'aurais pu profiter plus. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, moi ça m'a fait très plaisir, ça m'a fait du bien. Je sais, j'ai totalement conscience que c'est une vidéo très légère, surtout par rapport à l'actualité internationale actuelle. C'est sûr que c'est vraiment un monde curieux et ça fait mal au cœur de se dire qu'à quelques heures et même ailleurs, il y a des gens qui souffrent énormément. Je trouve que ça fait peur et j'espère vraiment que ça va s'arranger. Et je trouve que ça rappelle que rien n'est acquis, quoi. Là, ce qui se passe en Ukraine, c'est vraiment des gens qui se sont réveillés du jour au lendemain et qui sont en guerre. Enfin voilà, c'était pas le sujet de cette vidéo et moi, l'essence de ce que je fais, c'est de vous divertir, d'essayer de vous faire sourire, etc. Mais c'est pas pour autant que j'y pense pas et que je me renseigne pas au maximum sur la situation parce que ça me touche. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que la vidéo vous a plu. Je peux enlever mes lunettes de soleil, il est 21h30. C'est bon. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.